tête des Britanniques concernant le non-respect des réfugiés. Vous savez que toujours les Britanniques, ils se considèrent être patrons du monde et donner l'ordre à tout le monde et faire ce qu'ils veulent, rouler à droite et ne pas changer leur monnaie, sortir de l'Europe, et, etc., etc. Mais cette fois-ci, il y avait 150 personnes qui sont allées rejoindre leur famille. Ukraine, bien sûr, mais ils partaient peut-être de la France et de Belgique. Et Grande-Bretagne a repoussé ces gens-là. Il ne les a pas donné accès d'entrée en Grande-Bretagne. Et c'était la cause de colère de Gérald Darmanin, qui est très intéressante. Ça, vraiment, le courage de jeune ministre Gérald Darmanin, sans aucun doute, il va être candidat dans 5 ans pour présidentiel. Gérald Darmanin, il a dit, les Britanniques, ils ont manqué d'humanité envers des réfugiés qui venaient d'Ukraine, aller là-bas voir ou joindre leur famille. Voilà, c'est-à-dire Grande-Bretagne, encore une fois, concernant ces réfugiés-là, aussi il a fermé ses yeux et 150 personnes ont été repoussées. De l'autre côté, les Américains, ils ont annoncé qu'ils vont mettre 3 milliards de dollars de plus pour les réfugiés. Tout ça, c'est très intéressant, mes chers amis. Très intéressant, mais n'oubliez pas. Tout ça, c'est l'argent qui va être dépensé de votre poche, de ma poche, pour une bêtise, quand on ne sait pas c'est qui était en cause concernant cette bêtise. Vous voyez, Andrei Grachev, professeur à l'université, même il est à Paris, je ne sais pas, il est en train de nous écouter ou non, je le salue ce soir. Andrei Grachev, quand Gorbatchev, il a quitté présidence de la ex-Union soviétique, enfin c'était l'Union soviétique, c'est lui qui gérait les pays. Il a remplacé Gorbatchev. Andrei Grachev, c'est un homme d'État pas russe, mais international, un humaniste, je le respecte, c'est un ami. Alors il disait, les Américains, ils sont promis au moment de chute de l'Union soviétique, hein, de ne pas toucher au pays, l'Europe de l'Est.